Juliette, quelles étaient vos attentes avant de partir à Naples? Le but c'était de rencontrer d'autres personnes de d'autres pays et de créer des liens à travers une langue étrangère. Comment est-ce que vous évaluez le séjour en famille à Naples? C'était super bien parce qu'on a créé beaucoup de liens. Les familles étaient géniales. On a beaucoup rigolé, on a fait de super visites. On se souviendra tout le temps car c'était un super voyage. Les activités préférées pendant le séjour à Naples. Sorrento, c'était très joli. C'était une petite ville au bord des falaises. On a pris beaucoup de photos. Sinon, Herculaneum, c'était super intéressant. Et Monsieur Fauré nous a appris beaucoup de choses, beaucoup de petites choses dessus qui étaient assez drôles. Quel est votre ressenti par rapport à Naples après la visite? J'ai découvert une ville déjà, une autre réputation. En fait, on l'a vu avec le lycée, mais on l'a vu aussi avec les élèves, donc c'était pas du tout pareil. On a un aperçu un peu différent et je trouve que c'est une ville assez sympa. Qu'est-ce qu'a apporté cette expérience à titre personnel? Déjà, on a beaucoup sympathisé. J'ai bien aimé parce qu'on a pu quand même pratiquer l'anglais, même si je suis pas non plus super forte en anglais. Ça peut approfondir et puis comme on parle, ni les Italiens ni nous ne parlions anglais couramment, on a pu s'entraider et se comprendre. Ça crée des liens.